C'est parti, effectivement. Et j'ai l'impression qu'on va avoir un duel de Doomfist. Pour l'instant, que Foxygen a pris le Doomfist. Il semblerait que Boy Next Door également. Et pourtant, c'est une dive pour les Shokufuku. C'est pas un Renzaria. Ça va être sympathique à voir. Ça va être sympathique à voir. C'est quelque chose qu'on va pas Ah souvent non, dans non, le non, jeu ça a de été Doomfist. swap. Ça a été swap. Boy Ah. Next Door, c'est Lucio en fait. C'est ça. Tant pis. Tant pis. Du coup, on va partir sur une dive assez classique du côté de nos amis polonais et du côté de Rokotoko, une composition qu'on a l'habitude de voir avec Teemo sur son Reinhardt, puis Treza sur sa Zarya, tous les trois sur son Soldier, Fuxigen sur son Doomfist et le duo Chomoira, une composition plus que classique pour les Rokotoko. En effet, et pour Shokufuku, ce sera une dive classique et c'est parti, les portes vont enfin s'ouvrir du coup. Et maintenant, on va aller sur le point directement pour les Rokoto Poncho. Et là, ça va être de la contre-dive. Évidemment, les Rokoto Poncho ici vont devoir gérer les divers des Shokufuku sur ce point contrôle. Alors voilà, pour l'instant, je te laisse vous commenter parce que là, j'ai le choix. Oh le groupe. Et Pumpkinman. Ouais, allô. On a perdu Pumpkinman. On a eu un petit lag des deux côtés, j'ai l'impression. Allô, oui, allô. Ouais voilà, allô. Allô. Allô allô, tu m'entends? Allô. Allô allô allô. Ah, attention, excusez-nous, on a quelques soucis techniques, donc il semblerait, le lag aurait a eu raison de moi. Est-ce que tu m'entends? Allô, oui, je t'entends mon cher. Parfait, on va pouvoir prendre que tu m'entends, la Là, je t'entends, y'a pas de soucis, tout est réglé. Excusez-nous pour le petit contretemps, on est retourné sur le point ici. Adonem qui va lâcher la connaissance, la framerage pour Shadow également. On est en train de soigner tous les joueurs, c'est bonne chose. Le point est toujours en contrôle des Polonais ici, et on va lâcher la transpense pour contrer dans un petit tonitruant. Et même Tonitruant, voilà, qui m'a envoyé. Tu vas pas forcément faire beaucoup de dégâts si on va quand même récupérer Bossic ici. Ça c'est important. On récupère la Tesseur, le Gadget a été cadé, d'autres trappes, c'est là. Forcément, on va pouvoir récupérer ce point avec cette... après 50% du côté des Rocket Punch. Effectivement, le point a été repris. Pas mal d'ultis utilisés, notamment le cadé et cette coalescence du côté des Rocket Puncho. Donc on va pouvoir ici reprendre le point et. On va avoir beaucoup d'ultimates disponibles. C'est ça. On va avoir la combo bientôt. Graviton, point météore pour Foxygen et Petrezza. Mais également le Sandball pour défendre. On n'a pas beaucoup d'ultimates hein, du côté de l'attaque. On va avoir un Graviton Pumpkinman ici. Hein. Ouais. Donc il va falloir faire attention à ça. Il n'y a pas d'ulti défensif. Et il va falloir attention à ne pas se faire manger également. Il faut que son premier truc va être sécurisé très très dans la fight. Et il n'y a rien dans ce Graviton malheureusement. La bombe en plus on va partir. Et Boy Next Door avec le magnifique bourse de Petrezza. Ça devrait sécuriser la fight. Ah, Petrezza qui perce, qui se fait bouffer, qui perce sa Graviton, ça c'est terrible pour la Zarya française dans la backlane. Derrière, on a toujours Solutsen qui est assez embêtant. De Shadow là qui fait, qui tase un peu tout le monde. On est très lourd du côté polonais, mais on ne tombe pas, on n'arrive pas à concrétiser l'équipe du côté français. Ça c'est souvent ce qui arrive dans cette line-up. Et Shadow maintenant, et ben il a débloqué sa prime le reste, il va pouvoir l'envoyer, il va mettre une grosse temporisation. Oh, attention à Adonam qui pourrait se faire bouffer en de la carpe en cette coalescence. Il essaye Shadow, mais non, Adonam va simplement sauter au-dessus et il va sécuriser le kill sur Trafix. Et le point va être gardé par les Rocket Puncho. Une fight à rallonge qui sera partie à leur avantage. Un Foxygen on fire avec le Doomfist. Ouais, ça c'est plutôt bien joué de la part des Français, même si on avait perdu la Graviton de Piotrezza. À Durnam qui avait réussi à esquiver, hein, ça c'est les boucles de Shadow, ça c'est important. Parce que s'il serait tombé à Durnam, ça aurait été un peu dramatique. Et là du coup, on va quand même chercher des ultimates du côté polonais, on va avoir quelques ressources, notamment cette Blade qui pourra partir avec cette transcendance. Très important, le combo Blade transcendance qui pourrait essayer de reprendre le point, mon cher Pumpkinman. C'est parti, c'est lancé. On va chercher la backlane. On va lâcher le tech base. Oh, Teemo tout fou. Et là, avec le contre, avec un très joli cadet. Mais Flip Singer, c'était superbe. Il a bloqué la charge de Teemo ici. Et du coup, Ibedi est resté en vie. C'est bon, elle est tombée sur le marteau de Teemo. Mais j'ai pas l'impression que ce qui suffira. Ah, Teemo qui s'est fait stuck ici par Bossy qui va tomber malheureusement dans la Zensu pour contester ici. On a hit le time, c'est déjà ça au moins du côté français. On va pouvoir probablement être reset. Foxygen, non, mais qui va quand même revenir. Qui va trouver le kill sur Bossy? Qu'est-ce que Foxygen ici peut clutch? Il est très très long, mais pour l'instant il est toujours vivant. Ah, on est en train de le soigner avec cette mort dans la backline. On est en train de revenir du côté derrière, côté Punso. Et ça y est, on a perdu Foxygen ici. Tout ce qui est absent, le clic droit d'un homme qui fait beaucoup de dégâts. Il veut dire qu'il va être forcé ici et reculé. Mais maintenant c'est le retour de Potret. C'est également avec Lazare. Il y a un Ponex dans cette vie récupérée. Et il y a plus personne sur le point. Les Rocket Punso ici vont capturer cette première partie de Lijiang. Foxygen, comme tu l'as dit, a fait un clutch. La
petit miscom du côté des Polonais, hein. Plus personne sur le point alors qu'on avait Shadow Primal Rage qui pouvait encore contester un petit moment. Et voilà, bien Clutch of Oxygen qui a réussi à récupérer les quelques secondes nécessaires à son équipe pour revenir. Derrière, on a fait le travail et ça fait 1-0 pour l'instant sur cette première map du premier BO3, enfin du premier map du BO3 de cette demi-finale. Et on passe du coup sur les jardins et je pense qu'il y aura la fin. Merci les deux côtés et effectivement c'est le cas. Adnan va prendre sa ange qu'il aime tant. Philippe Singer sur... C'est Philippe Singer, pardon. C'est pas J'aime bien Philippe Singer, mais en fait c'est Philippe Singer. Philippe Eddy sera sur également la Pharah. Et on part en dive. Timo va prendre un Monkey. Et faut qu'il tienne un Genji. Ouais, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer en dive, hein, nos amis des Rocket Open Show. On va voir comment ça va se passer pour eux. On sait que Tonitri, on préfère son Soldier que sa Pharah. On va voir comment on va réussir à remporter ce duel dans les airs entre Fibedi et Oui, Fibedi qui a enchaîné Tonitri en plein dans les airs. Et ça continue. Adnan ici a pris une direct hit. Et là, on prendra une deuxième. Adnan ici s'est fait récupérer. Foxygen. On va quand même sécuriser les kills, il semblerait que ça part quand même à l'avantage de Rocket Poncho, malgré que le fait que les airs soient contrôlés par Rocket Poncho, Light Dive DRP aurait été meilleur. Eh ouais, ça va faire la première cap quand même, ça s'est bien joué. Même si encore fait des gourous illégalement avec son Mitchell. Pour l'instant, on a réussi à capturer ce point, ça c'est important. Et Tony Trion qui a réussi à survivre sans sa merci d'ailleurs, donc ça c'est plutôt bien joué. Et du coup, on va pouvoir capturer les 13 premiers points. On commence à contester le point côté Chocofoco ici. Shadow prend pas mal de dégâts. Tony Trion a trouvé un boost sur Banekdor, c'est relativement important ça pour entendre continuer à contrôler les airs du côté de Fibidi ici. Enfin, Tony Trion va commencer à mettre des directives, ça touche Fibidi une fois, ça va forcer à reculer et Foxen va prendre le kill avec le dash sur Bok. Bossic. Oh, Fibidi qui a un HP qui joue avec le feu ici. Attention, s'il tombe à terre, c'est bon, il se fait, il est par sa merci. On est obligé de repartir encore une fois. Là, on sent pas la parade du côté polonais sur la défense des Rocket Open Show. Et pour l'instant, ça fait 36% qui a été cap. Et on a bientôt les 6 ultimates. Effectivement, les 6 ultimates qui pourraient être très importants. Il va falloir trouver une solution et aller mettre les pieds sur le point directement. Du côté des polonais, et on dive dans le tas directement. Faut que c'est des points qu'on aille dans le duo avec Slam du Dragon. Il cherche solution, il va le trouver. Ce sera le seul kill pour l'instant. Philippe Singer va lâcher la Valkyrie. Il va probablement ramener Volnextor à la vie. Fibidi également. Il va trouver son ascension, son vis-à-vis dans les airs. Philippe Singer qui a envoyé sa Valkyrie ici, du coup qui va planter un peu beaucoup de bon envie, même si on tombe à Pharah Shadow, malheureusement qui va tomber, qui se fait res, il est en Primal Rage. Et attends, Philippe Singer il est obligé, on va tenter le duel face à Tony Truant. Merci malheureusement. Et c'est pris. Et Philippe Singer qui a pris qui est sur Tony Truant, les deux phares ici qui sont tombés de chaque côté. Et on va pouvoir continuer à contester du côté Rocket Open Show. Timoa, ça se prend primordial de prête s'il y a besoin également. Et on va également taser cette merce qui va ici se faire récupérer. Philippe Singer du coup qui ne sera pas là pour ramener ses joueurs à la vie. Et les RP ici vont garder ce point. Denso sera seul à tomber mais sera ramené à la vie par n'importe et Valkyrie. C'est le truc qui ne trouvera pas de dégâts ici du côté de Trafix qui va même perdre sa débit Babiliva, ça c'est une mauvaise opération du côté polonais. Et du coup derrière Adjournam qui mettait tout le monde en vie, on va pouvoir remonter Thibaut, on va pouvoir remonter toute cette équipe. Et ça va probablement être la cave, il va falloir toucher le point. Oh il a envoyé un peu d'autre une truant là son ulti, est-ce que Philippe Singer pourra revenir sur le point? Non on n'arrivera pas à Rez, on n'a plus merci pour avoir fait. Et là effectivement avec les supports de tomber ça va être compliqué de continuer à contester ce point. Trafix va perdre ici ce mecha. Je pense qu'ici les Rocket Pocho vont aller le score 1-0 avec un 2-0 sur les Junk Towers. Ce bar de Rocket ne fera rien de plus. Désolé pour toi Philippe Eddy. C'est récupéré. Le saut sera pas là, attends. Tout proche de c'est leur première finale de GoForEU. Ah non, il y a... Ah oui, c'est... Pardon, oui. J'ai cru que c'était un petit peu trop vite, mais non, c'est bon. C'est bon. J'ai pas vu la fin de ta phrase. 1-0 du coup dans le PO3. Et c'est quand même Shadow qui va récupérer le PO déjà avec son Winston. Double kill.